Dimanche 13 août, Laetitia Hallyday a dévoilé en story Instagram un beau cliché de ses vacances à Saint-Barth. Un séjour estival qu'elle passe de nouveau sans Jalil l'espère, alors que les rumeurs de séparation du couple se font de plus en plus pressantes. Début juillet, Laetitia Hallyday faisait son apparition sur un bateau de croisière parti de Naples aux côtés de sa fille Joy pour une excursion de 10 jours. Un beau moment que la veuve de Johnny Hallyday n'avait visiblement pas décidé de partager avec son compagnon Jalil l'espère, alors que le couple s'affichait côte à côte quelques jours plus tôt pour un moment bouleversant, les funérailles du père de l'acteur. Selon nos confrères de Public, le choix n'était pas anodin, la maman de Jade et Joy souhaitait ainsi prendre du temps pour elle afin de faire le point sur leur relation. Après près de 3 ans d'amour, une routine très pesante se serait en effet installée entre les tourtereaux, au point de faire douter la star et lancer des rumeurs de séparation. Rumeurs qui ne vont pas être ralenties par la dernière apparition de la jolie blonde. Alors que Jalil l'espère n'était déjà pas présent pour célébrer les anniversaires de Jade et Joy, et que son fils Alyosha devrait reprendre la direction de Paris pour la rentrée des classes le mois prochain, Laetitia Hallyday s'est de nouveau affichée loin de son compagnon. Ce dimanche 13 août, elle a en effet dévoilé dans sa story Instagram un cliché de ses vacances à Saint-Barth en compagnie d'amis, notamment l'ex-femme de Yannick Noah, Isabelle Camus. C'est cette dernière qui a partagé un cliché de la bande de copines, tout sourire sur un bateau sous le soleil des Caraïbes. Une énième preuve de la distance, aussi bien physique que sentimentale, qui sépare désormais les anciens tourtereaux. Mais aussi que Laetitia Hallyday souhaite s'entourer au mieux pour affronter cette nouvelle épreuve sentimentale, elle qui s'était déjà séparée du restaurateur Pascal Balland, son premier compagnon après la mort de Johnny. Un homme idéal et irremplaçable ?